Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des encombrements et tri, mais version numérique. Vous avez été pas mal à me dire, ok, c'est cool le tri, le désencombrement dans la maison, mais qu'en est-il du digital? Comment trier les photos? Quelles questions on peut se poser pour garder tel ou tel document, papier administratif? Comment s'organiser? Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques petites clés, quelques petites astuces, j'espère, pour toute cette organisation-là et vous partager surtout mon organisation, comment je fais avec mes photos et mes papiers administratifs. J'espère en tout cas que cela pourra vous aider à y voir un petit peu plus clair pour votre organisation à vous. On va commencer tout d'abord par les photos. Donc pour ce qui est des photos, aujourd'hui on prend tous des photos avec notre téléphone, ou quasi tous, en tout cas je vais parler uniquement moi des photos prises avec le téléphone. Ma première astuce au quotidien, c'est de trier régulièrement. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais la régularité, ça fait vraiment partie du tri, du désencombrement. C'est vraiment une des astuces clés pour désencombrer petit à petit et sereinement. Et pour les photos, pour le digital, c'est pareil. On a tendance parfois, enfin moi je sais que je le fais, à prendre 3-4 fois la même photo. Par exemple, si je prends ma fille en photo, je vais faire une série de 15 photos pour avoir la bonne photo. Et bien en fait, il faut tout simplement conserver cette bonne photo là. Donc régulièrement, il faut passer un petit peu de temps sur votre téléphone, dans vos photos, pour trier toutes les photos floues, les photos en double, les photos où vous dites, ouais, elle est bien, mais bon, je préfère celle-là. Dans tous les cas, si les deux photos se ressemblent plus ou moins, gardez celle que vous préférez. Je vous conseille aussi de supprimer tous les screenshots inutiles. Si vous êtes comme moi, vous passez peut-être votre temps à screenshotter des recettes. Et aussi, j'organise par album. Ça, je l'ai fait très récemment. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est tellement simple sur iPhone, en fait, d'organiser des albums. J'ai un album, notamment recettes, qui m'évite de rechercher dans toutes mes photos. Donc, dans iPhone, par exemple, vous avez juste à prendre la photo, à faire les trois petits points et à cliquer sur ajouter à un album, créer un album, votre album recette, votre album de vacances par exemple, un album spécial pour vos enfants. Comme ça, le tri se fait déjà à l'intérieur de votre téléphone et ça, c'est déjà du temps de gagner. Ce que je vous conseille aussi pour l'organisation de vos photos dans le téléphone, c'est de mettre des choses en favoris. Dans iPhone, en tout cas, on peut faire un album de favoris où il faut juste liker la photo. Par exemple, cette photo, moi, que j'utilise très régulièrement dans mes stories Insta, elle est en favoris. J'ai activé le petit cœur et elle fait partie de toutes mes photos favoris que j'utilise régulièrement. Mais dans mes favoris, il y a aussi, je sais pas, mes photocopies de cartes d'identité. Il y a aussi l'apparition des dents de l'enfant. Je peux supprimer ça parce que ma fille a maintenant toutes ses dents. C'est bon, on y est. Les horaires de la bibliothèque, les horaires de ma couturière. Comme ça, c'est dans mes favoris. Je sais que dès que je veux trouver les horaires de la bibliothèque, le code wifi ou quoi que ce soit, j'ai mis dans mes favoris. Je vais juste dans mon album favori et j'ai la photo. Et ça, ça me change la vie. Que devoir rechercher dans toutes les photos que j'ai prises et tout. Vraiment déjà organiser à la base dans son téléphone et faire le tri régulièrement des photos que de toute façon on n'a pas envie de garder au final. Ça permet vraiment de faire déjà une première étape super importante. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que tous les mois ou tous les deux mois, je mets mes photos sur un disque dur. Donc j'en ai un seul à la maison, je sais même pas de combien il est, mais en fait c'est un disque dur sur lequel j'ai tous mes papiers administratifs et toutes mes photos. Mais attention, classé et organisé. Donc j'ai toutes mes photos par année et à l'intérieur des années j'ai toutes les photos par mois, et à l'intérieur des mois j'ai aussi des thématiques en particulier, par exemple les anniversaires de ma fille. Si je pars en vacances à un endroit, par exemple au mois d'août, au mois de juillet, il y a des albums où il y a toutes les photos de vacances. Faut que ce soit quand même un petit peu organisé sur des thématiques, si vous pouvez au maximum organiser par thématique, comme ça quand vous recherchez des photos en particulier c'est très très facile de retrouver. Parce qu'en fait il n'y a rien de pire que de mettre tout sur son disque dur et de mettre les photos comme ça en vrac. Franchement, ça vous découragera, même si vous voulez par la suite faire des albums photos et tout, même les retrouver, juste des souvenirs en fait. Donc vraiment faites-le au fur et à mesure quand vous les chargez sur un disque dur ou sur quelque chose d'extérieur en fait, à votre ordinateur ou à votre téléphone, pour que ce soit un petit peu plus safe. Pareil, le cloud c'est cool, mais quand vous supprimez souvent sur votre téléphone, ça supprime sur le cloud. Donc en fait moi je mets tout sur le disque dur, au moins je suis sûre d'avoir vraiment mon organisation par année et de retrouver les photos si je perds mon téléphone, si je perds mon ordinateur ou quoi que ce soit. Après, ce qui est cool, c'est de refaire un tri aussi au moment où vous mettez tous les mois, tous les deux mois sur votre disque dur, parce que parfois il y a des screenshots qui sont restés. Par exemple, je vais mettre tout le mois de mai sur mon disque dur. Souvent il y a des screenshots dont j'ai encore besoin dans mon téléphone mais que j'ai pas forcément envie d'avoir sur mon disque dur. Par exemple, si la bibliothèque a changé d'horaire en mai, j'ai pris en photo la bibliothèque, je l'ai mis dans mes favoris, il faut que je le conserve sur mon téléphone, mais sur mon disque dur dans 10 ans, dans 5 ans, même dans 3 semaines, je m'en foutrais d'avoir les horaires de la bibliothèque sur mon disque dur. Donc je refais souvent un petit tri comme ça pour voir vraiment si c'est pas des photos de recettes, pas des photos de screenshots, pas des photos de manucure que j'ai envie de faire ou des choses comme ça, vraiment juste les photos de moments, d'instants que j'ai envie de conserver dans le temps. Après que vous soyez assuré que ce tri a été fait dans votre disque dur et que toutes les photos que vous voulez vraiment sauvegarder sont sur votre disque dur, vous pouvez refaire un tri sur le téléphone. C'est-à-dire qu'en premier, on avait vraiment supprimé les photos qu'on ne voulait définitivement plus garder, les photos floues, les photos en double mais vraiment inutiles. Ça, ces photos-là, on ne les retrouvera jamais. Et en deuxième, moi je fais un tri après avoir mis les photos sur mon disque dur.
dur sur mon téléphone parce que par exemple j'ai des photos de vacances que je veux conserver. Ok, elles sont sur mon disque dur, mais est-ce que je vais les regarder tous les jours sur mon téléphone? La réponse est non. Surtout que j'en ai pris, je sais pas, 200, 300, donc au moins je sais qu'elles sont sur mon disque dur. Si j'ai besoin, je les retrouverai, mais sur mon téléphone, ce que j'ai envie de voir régulièrement, c'est des photos de ma fille, on va pas se cacher. Et au bout de 3 ans, ça commence à faire beaucoup. Mais j'aime bien toujours les regarder. Donc ça, pour moi, pour vous, ça peut être autre chose. Pour moi, c'est important de les avoir sur mon téléphone et de pouvoir les voir régulièrement. Tout comme les horaires de la bibliothèque, vous l'aurez compris. Donc je refais un tri sur mon téléphone. Par exemple, les photos de paysages, les photos de vacances. Ça, c'est des photos, ok, cool, ça peut être vraiment très chouette de les garder sur le disque dur. Parce que c'est des lieux où j'ai été, que j'ai envie peut-être de revoir dans quelques années ou de me rappeler des souvenirs, etc. Mais clairement, sur mon téléphone, les photos de paysages, c'est pas ce qui m'importe le plus et ça prend au bout d'un moment de la place. Donc je sais qu'elles seront sur mon disque dur si j'ai vraiment envie de me rappeler de choses ou de vérifier si j'étais à certains endroits et tout. Concrètement, sur mon téléphone, j'en ai pas besoin tous les 4 matins de les regarder. Et ça me laisse plus de place pour d'autres photos de ma fille. Et enfin, ma dernière astuce, c'est de faire un album photo pour les choses qui vous tiennent à cœur. C'est quand même très cool d'avoir un album photo à feuilleter ou d'imprimer les photos et de les ranger dans un album photo tout simplement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des logiciels qui font des albums photos imprimés sur papier avec une très bonne impression. C'est comme un livre en fait, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Franchement, si vous avez déjà fait le tri en amont, en fait, ce que je vous disais, j'ai mis du temps à me décider de les faire. J'en ai fait 2 pour ma fille, sa première année, et 1 pour sa 2e année. Je suis en retard, il faut que je fasse celui pour sa 3e année. Mais en vrai, quand je me suis lancée dedans, je me suis dit, je vais galérer et tout. Mais comme tout était déjà trié par année, j'avais juste à regarder par mois les événements marquants que j'avais envie de mettre dans son livre. Et ça a été quand même assez simple à faire. Vous choisissez une thématique, vous avez des exemples de pages qui se répètent et tout. Donc franchement, ça a été assez simple à faire si vous voulez pas mettre non plus énormément de texte. J'ai vraiment laissé parler les photos d'elle-même. Mais je vous conseille quand même de faire un album photo parce que, on va pas se mentir, les photos qui sont sur le disque dur, on ne les regarde pas tous les 4 matins. De temps en temps, je me fais des petits souvenirs. Souvent, c'est quand il y a des anniversaires, des mariages, ce genre de choses où on doit essayer de retrouver des photos d'avant, faire des montages photos et tout. Là, ça me replonge un peu là-dedans. Mais les albums photos, c'est quand même cool pour pouvoir les regarder et surtout pour pouvoir les montrer même aux enfants sans être sur l'ordi. Et puis après, moi perso, je sais que je suis quand même contente que mes parents aient fait des albums photos où je peux tourner les pages, où je vois des vraies photos et tout qui sont datées. Même si toutes les photos, tous les souvenirs sont sur le disque dur, je trouve que ça fait une certaine passation, le fait de pouvoir transmettre quelque chose de physique. Mais si vous n'avez pas d'enfants, parce qu'il n'y a pas que les enfants dans la vie, j'ai des amis qui font ça pour les voyages, chaque événement ou même chaque année. Souvent c'est des albums à peu près de 40-50 pages et ça vous résume quand même les gros événements de votre vie et tout, c'est quand même cool à pouvoir conserver. On passe maintenant aux papiers administratifs et je vous renvoie tout d'abord vers ma vidéo vlog où je trie mes papiers administratifs que j'ai conservés dans un petit trieur, tout tient dans un seul tiroir de mon meuble, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez plus d'infos sur mon orga et tout. Mais aujourd'hui on va parler des papiers administratifs, comme vous l'aurez compris, en numérique. Et en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais pas tant que ça. Pareil, j'ai sur mon disque dur donc un dossier photo et un dossier ensuite perso, papier administratif, je sais plus quoi. J'ai un dossier qui est assez conséquent, c'est vie étudiante, où j'ai du coup tous mes cours, tous mes mémoires, tout ce que j'ai conservé de mes études, donc que ce soit mon bachelor ou mon master. Par exemple, j'avais des cours de création d'entreprise, des cours de compta. Sur le moment j'étais là, ça ne servira jamais. Spoiler alert, 5 ans après, Léa, t'as créé ton entreprise, donc il y a un moment ça peut être utile. Et ensuite, le plus gros autre dossier, c'est le dossier de mon entreprise, donc avec mes factures, quand j'avais ma boutique en ligne zéro déchet, mes tableaux de bord pour mon chiffre d'affaires, même encore actuellement, toute ma partie communication avec tout ce que j'avais mis sur le site internet, les logos, mon moodboard, les photos des produits, les informations fournisseurs et tout. Bref, j'avais quand même pas mal de choses et j'ai quand même une petite partie sur mon ordi. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets les choses sur mon ordi et régulièrement, de temps en temps, pareil, j'importe sur mon disque dur. C'est comme ça que par exemple j'ai conservé ma vie étudiante, tous mes cours et tout depuis des années et des années, parce qu'à chaque fois je faisais une sauvegarde petit à petit sur mon disque dur. Aujourd'hui, toute cette partie étudiante, je l'ai complètement enlevée de mon ordi parce que ça me sert plus du tout. Mais j'ai encore par exemple la partie entreprise. Ce que j'aime bien conserver aussi, c'était mes CV, lettres de motivation, pour me rappeler toujours des choses que j'avais fait avant. Les lettres de motivation, c'est toujours une inspi aussi pour pouvoir postuler. Pareil, disque dur. Donc globalement, niveau papier administratif, j'ai plus de choses dans mon trieur, j'ai plus de choses en concret que sur mon ordinateur. Parce qu'en fait, sur mon ordi, à part mon entreprise et ma vie étudiante, j'ai pas grand chose comme papier, comme impôts, des choses comme ça, j'ai rien du tout. Parce qu'en fait, si je veux mon avis d'imposition, je vais sur le site des impôts. J'ai pas envie d'enregistrer mon avis d'imposition pour qui, pourquoi. De toute façon, j'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin, je peux accéder directement sur les impôts. Pareil, il y a plein de choses en fait qui sont sur les portails, que ce soit l'assurance maladie, CAF, Pôle emploi et tout. Plein de choses sont disponibles dans nos espaces et du coup, j'ai pas forcément le besoin d'enregistrer constamment. Ce que j'ai le plus aussi, c'est des photocopies par exemple de ma carte d'identité, de ma carte vitale et tout. Parce que ça, ce sont des documents qu'on nous demande régulièrement. Je trouve ça pratique de l'avoir sur mon ordi déjà scanné. C'est des documents que j'ai, les documents à peu près classiques quoi.
Mais sinon, j'ai vraiment pas grand document, quoi. J'ai vu que les impôts, par exemple, se conservaient uniquement 3 ans. Je crois que certaines factures d'eau et tout se conservent jusqu'à 5 ans. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur la durée de conservation des papiers administratifs, mais franchement, pour tout vous avouer, c'est pas quelque chose que je regarde. J'espère avoir répondu à vos questions et vous avoir partagé un petit peu des astuces. N'hésitez pas à me dire si dans les photos ou dans les papiers administratifs, il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir. Qu'est-ce que vous cumulez le plus, vous, en papier administratif, par exemple? Parce que moi, j'avoue que j'en ai très peu. Donc, c'est très facile de m'organiser, mais dites-moi si vous avez des problématiques en particulier et j'essaierai de vous aider. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encourage toujours, et à vous abonner, puisque j'ai vu que vous étiez 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc venez, on est bien ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !